Commencez à gagner de l'argent avec Amazon partie 1. Puisque vous lisez cet ouvrage, vous avez probablement déjà entendu parler du programme d'affiliation Amazon vous permettant de générer un revenu régulier. Peut-être avez-vous déjà créé votre propre site web avec l'espoir de gagner de l'argent via ce programme. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul dans le cas. Voici quelques étapes pour faciliter votre démarrage. 1. Apprenez le HTML de base. Si vous ne connaissez pas déjà le HTML, c'est le bon moment pour l'apprendre. Cela vous aidera à réduire vos coûts et à vous donner plus de flexibilité. De nombreux sites sont WYSIWYG, mais le problème est que vous manquez de flexibilité lorsqu'il s'agit de créer des hyperliens, de formater du texte et d'effectuer d'autres tâches qui peuvent optimiser votre façon de gagner de l'argent avec Amazon. Il y a énormément de tutoriels HTML en ligne, donc vous serez en mesure d'en acquérir les bases rapidement. Point. Il existe de nos jours d'excellents outils qui vous permettront de construire rapidement un site web élaboré et d'aspect professionnel assez facilement. Les bases de HTML dont vous aurez besoin ont uniquement pour objectif d'effectuer des ajustements. Je vous indiquerai dans un module de formation spécifique toutes les ressources qui vous seront nécessaires pour construire un site web attractif. Et aussi comment choisir un hébergeur performant, et je vous listerai une dizaine de prestataires, certains proposent même des offres lifetime d'excellentes factures. 2. Il est temps de déterminer votre créneau ou marché de niche. Si vous prévoyez de faire des recommandations, rédiger des critiques de produits ou parler simplement d'un ou de certains produits dans le but de vendre ce produit. Assurez-vous de choisir une niche étroite distincte et facile à cibler. Par exemple la danse latine, la fabrication de cartes, Jack Russell, etc. Une façon efficace d'obtenir un référencement naturel et donc de générer du trafic gratuit consiste à rédiger un blog. Je vous conseille d'écrire au moins un article de qualité par semaine pendant au minimum un an. Ne vous fixez pas un objectif trop ambitieux car vous devrez conserver votre motivation sur la durée. 3. Il vous faut un nom de domaine. Assurez-vous de bien le choisir. Optez pour un nom riche en mots-clés qui facilitera votre référencement SEO, il doit être pertinent et en adéquation avec votre créneau. Bien sûr, il faut qu'il soit encore disponible, si ce n'est pas le cas quelques options s'offrent à vous. Par exemple, latin danceforbeginners.com, easycardmaking.com ou ilovejackrussell.com. Vous pouvez également être créatif s'il n'est pas disponible en utilisant des tirets, tels que latin danceforbeginners.com ou choisissez une autre extension de domaine. Il y en a une multitude, par exemple net, sa, org, edu, etc. 4. Enregistrez le nom de domaine. De nombreux sites vous en proposent lors de la souscription de votre espace d'hébergement, mais sinon, vous pouvez l'enregistrer séparément chez des prestataires spécialisés. Je vous recommande en particulier Namecheap car il pratique une politique tarifaire particulièrement attractive tout en offrant un service de qualité. Une fois que vous aurez enregistré votre nom de domaine, vous pourrez commencer à l'utiliser. Le coût d'un domaine pour une année fluctue entre 10$ et 20$ en moyenne. 5. Configurez maintenant votre hébergement web. C'est une étape qui demande un peu de réflexion. Il y a des hébergements web très dispendieux mais en général ils n'apportent pas grand-chose par rapport aux hébergeurs qui pratiquent des tarifs abordables. Même s'il offre toutes sortes d'outils, la plupart des gens n'utiliseront pas la majorité de ces fonctionnalités et elles vous seront facturées. Et même si vous en avez besoin, certains acteurs les proposent pour un supplément dérisoire. Point. Vous devriez pouvoir trouver facilement un hébergement pour un tarif compris entre 10 et 20$ par mois, choisissez de préférence un hébergeur vous offrant une bande passante illimitée. Si vous souhaitez créer plusieurs sites, envisagez d'opter pour un serveur dédié, il existe des offres particulièrement abordables. Voilà un bon début. Lisez la partie 2 qui vous dévoilera les dernières étapes pour commencer à gagner de l'argent avec Amazon.